Ce soir, c'est patate, ça va être bien. Sauf que j'hésite entre les grosses et les petites, mais je pense que, bon, je suis pas trop gros, mais je vais quand même rester au petit modèle. En plus, île de Ré, génial. Ça me fait penser que j'ai souvent des patients, plus fréquemment, qui me demandent comment maigrir. Une d'elles récemment me disait « qu'est-ce que je dois manger en plus pour maigrir ?» Ça traduit une certaine mentalité de consumériste. Et ça me fait penser à un ami chinois, Zhu Bending. Zhu Bending, si tu m'entends, il est sur Québec. Bonjour à toi. Je vais l'imiter comme je peux, mais j'étais allé le voir une fois et il avait une patiente, avant qu'on aille se faire un tour ensemble, il me dit « j'ai une dernière consultation ». Donc je suis resté avec lui, il avait une patiente nord-américaine, bon modèle. Et lui, quand il a vu, il dit « ouh, madame, trop grosse, moi aiguille trop petite, pas pouvoir piquer vous, vous maigrir d'abord, revenir après ». Sur le moment, ça m'a un peu étonné, parce que je trouvais bizarre cette façon de renvoyer une personne dans les cordes comme ça. J'ai dit « mais si elle a un problème de poids, c'est quand même aussi un problème de santé ». Il dit « oui, mais en Chine, quand on voit quelqu'un de gros, on dit pas « il est gros », on dit « il est riche ». Et donc, elle a qu'à manger moins, elle va maigrir, et après, je pourrais mettre des aiguilles. Avec le recul, je comprends qu'il avait un petit peu raison, parce que on ne doit pas se demander ce qu'on doit manger en plus pour maigrir. Si votre chien est trop gras, trop gros, vous allez réduire les croquettes. Et comme par hasard, il va maigrir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il aura faim. Mais la faim, ce n'est pas une maladie. Nous, le problème, c'est qu'on a peur d'avoir faim. On se met à table de peur d'avoir faim si on ne se met pas à table. Mais on ne se met pas à table parce que l'on a faim. On n'attend pas d'avoir faim. On se souhaite bon appétit. Donc faites l'expérience. Essayez d'avoir faim avant de manger et de sortir de table en ayant encore un peu faim. Réduisez les croquettes et vous verrez, ça coûte moins cher. On est en meilleure forme et on n'a pas besoin de faire des régimes à deux balles. Bon appétit! Ah, c'est cuit.